arrière. On soulève légèrement le pied droit devant. 5 et 6. Petit. Donc il faut essayer de réduire au maximum. Ouais. Surtout les garçons qu'on est. Parce que plus la vitesse va être rapide, plus on va avoir du mal si on fait des grands pas à suivre le rythme. Alors qu'avec des petits pas, on peut s'adapter. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Petit. 1, 2, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. 1, 2, 3 et 4. Dans les doigts. Donc là, voilà, plutôt comme ça, tu laisses la main ouverte et en fait, c'est la fille qui va placer sa main. Et toi, tu. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. 1, 2, 3. Pas oublier de l'enchaîner directement ton 1, 2. Ouais. 1, 2, et tout de suite, quand tu pars sur le 3 et 4, 5 et 6. Alors, il faut bien qu'ils finissent le 6 aussi. Parce que si tu, bah, si tu zappes un temps, finalement, toi, enfin, l'un ou l'autre, tu ne fais pas de base. 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6, séparation, toi, tes pieds continuellement vers l'avant. Donc là, du coup, bah, tu fais ton facet, ouais, tu fais ton 4. Hein. Donc, L7, prends le côté là. Surtout, ne résiste pas. C'est-à-dire que si il te pousse correctement, 5. Non, on fait la base avant. 7, 8, donc ça fait 1, tu la pousses plus haut. Donc tu la lâches, tu la pousses là. Ensuite, toi, tu vas finir ton 5 et 6 avec ton jambe. 5 et 6. Attention, tu mets la 5 et 6, il est un peu. Bon, on fait la base avant. 1, 2, 3, là, là, tu es mal placé, voilà. Fais la tournée. 5 et 6. Et toi, tu finis ton 5 et 6. C'est pour ça qu'il ne faut régler pas, sinon tu es à 3 km. Alors, tu vois, ça doit donner ça. Et ici, donc on ne fait pas la base, on fait le direct. 1, 5 et 6. Tu vois, il faut que tu fasses les chassés. 5 et 6.